Le cyclone des Maux a fait tourbillonner le château du Réduit en juin. C'est le soir de la remise du prix de poésie Édouard Monique. Une deuxième édition riche, de nombreux envois, un jury présidé par Ananda Devi, une fonction sous l'égide de la présidence de la République. Barlène Biapouri concrétise un souhait, faire du Réduit un haut lieu de la culture. L'occasion était trop belle, rendre hommage au poète Édouard Monique. Immédia a ainsi créé ce prix. Le thème de cette deuxième édition, Cyclone. Édouard Monique is a great son of the soil. His poetry is rooted in the Mauritian soil and the surrounding sea, and also to Black Africa. We see this in the titles of many of his books and poems. Ensoleillé vif, Africain du temps jadis, qui côtait la mer, among others. He was a successful radio interviewer. He has interviewed, among others, such great literary personalities as Aimé Césaire and Léopold Sédar Senghor. C'est sous la pluie de Lakshmi Giawan. Dans Maurice, nous avons talent, nous avons beaucoup de talent dans tout domaine artistique. Finalement, 146 Mauriciens, Mauriciennes, majorité de Maurice, une partie de l'étranger, qui participent à travers 259 poèmes, l'eau cyclone. Si un Mauricien ou une Mauricienne, vous connaissez ce que ça veut dire cyclone. Et chacun exprime-le d'une façon originale. Un texte inédit qui montrait plusieurs sentiments qu'ils ont exprimés avec des mots qu'ils ont sculptés pour faire des gens vraiment agréablement surpris, pour ne pas dire choqués parfois, avec tournure sur un poème qui nous fait gagner l'occasion d'écouter par un comédien, à part la gagnante, Elina Okumsing, qui nous dit ce poème, et puis les trois autres poèmes. Qui n'y a une mention du jury, c'est un comédien, donc Jean-Claude Gateya, Gaston Balaïden et Géraldine Boulle qui finissent dire ce même poème-là. Moi, je félicite Elina Okumsing, moi, je félicite Jean-Lin Zedoukit, qui est un dimoun qui a beaucoup de talent littéraire, poétique, comme au niveau théâtral, comme dramaturge, et aussi un plus jeune, comme Amit Parmesar. Et Lakshmi Giawan. Dans Maurice, nous avons un talent immédiat avec les autres, nous donne l'occasion de ce talent-là épanouir dans tout domaine artistique. Et nous avons continué à encourager ça, comme on dit à là. Mes parents, mes indiens, mes enfants, pratiquent l'art, n'importe qui l'art de la scène, pratiquent le sport, comme ça nous continuons à partager ce qui est bon, ce qui est bien. Ça qui joli. Pas de protéser, c'est pas qui grandissait. L'une levée, l'une route continuait, mais avec pleurer sur les joues, l'une coupée. Mon fixé lit, mon gratte la tête. À nous aller. Je trouvais que c'était très intéressant parce que délibérément le sujet, le thème était cyclone, donc un thème qu'on pouvait interpréter de mille façons différentes. Donc ce qui nous importait aux membres du jury, c'était de voir comment chaque auteur transformait ce thème pour dire des choses importantes qui comptent pour eux. Et justement, c'était vraiment ce qu'on voulait voir, c'est réinterpréter ce thème de manière à ce qu'il exprime quelque chose de soit de à propos de la société, du monde, de la psychologie d'une personne. Donc vraiment détourner le thème pour en faire quelque chose de personnel et qui en même temps parle au lecteur. Et c'est ce qu'on a trouvé en fait parmi les meilleurs. Il y a de la nostalgie, des souvenirs, il y a de la colère, il y a des revendications, il y a des mots de société. C'est très riche en fait tous ces envois.
Absolument, c'était ça qui nous a vraiment interpellés, c'est-à-dire qu'avec ce thème, chacun pouvait vraiment exprimer quelque chose qui était important pour eux. Et par exemple, le poème « Saison cyclonine passée », on commence à le lire en ne sachant pas trop où il va, et lorsqu'on arrive à la fin, c'est un vrai choc. C'est un choc littéraire, mais un choc aussi, je dirais presque politique, dans le sens où on parle de violence, mais d'un enfant qui préfère avoir une arme à la main plutôt que quelque chose à manger. Donc c'est ce genre de choc poétique qu'on voulait obtenir. Et le poème primé, enfin la lauréate, est partie d'une toupilexie. Donc pour les gens d'un certain âge, je dirais, on se souvient très bien de ça, qu'on jouait avec un petit bâton d'allumette enfoncé dans un noyau de lecci. Et c'était un jeu qui, pour elle, un jouet qui devient une évocation du monde, de son enfance, de la pauvreté, mais de la richesse aussi de cette enfance. Et finalement, pour ouvrir sur l'universel. Donc c'est vraiment un poème à la fois métaphorique, mais très personnel aussi. Tupilexi. A forgotten whirlpool spinning in a lychee seed. A deluge of childhood. Lost in blue light waves and screens, my father's long fair fingers, swift, nimble, weaving my fascinated laughter. My innocent ignorance of working class poverty. The price of fruit and toys is balanced on a scale of one or the other, tipping into tissue-thin budgets, stretched across tired bones, sore muscles, and immigrants' resourcefulness. Agile fingers pressing toothpicks into the symbolism of love and happiness and old souvenir. Enfants, n'est plus connu ça. I wait 8 years in silence to understand his words. And Tupilexi. The music begins, a Sufi dance across our table, the madness of the whirling world in miniature. Tupi, 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 I whisper over and over and over, savoring the flavor of the moment my lips touch to puff out the second syllable, turning back on itself like a chant. The seed swirls round, destinée à tourner sur elle-même, chasing its own shadow, spiraling an infinity between my father and I. Each swirl blowing soft fragrances of my mother's frugality and inexhaustible love. A solar system of tropical fruit stones, whirling winds across the ceiling, orbiting the tender sun of our tiny home. Dervishes floating in the silence of this joy. In the trees that sway and shake, their leaves shivering, our windows trembling, lychees tumbling away, a flurry of seeds. Now a shallow, dream-filled sleep. I remember this. Feverish gust, wild nostalgia, playing in the tears that swell, memories rush. Thank you. Me extra content et vraiment vraiment très grateful pour ça l'opportunité pour en partager ça poème là avec les autres et que pour gagner prix là livrer un petit comment on dit cherry on the cake. Oui. En l'occurrence on parle de lecci, on a un bon souvenir de lecci. Oui, un très bon souvenir de lecci et que au fait poème là un petit moment, un petit instant, une memory. Moi, avec mon papa, quand j'étais bien petite, et que quand j'étais venue depuis Maurice, nous habitons en Angleterre, et que nous avons un grand plexi, et que je me rappelle la première fois, mon papa a joué tupilexi avec moi. Et
poème-là, ce thème cyclone, c'est comme un rappel ça ban tourner, ban petit swirling ça tu bilexi là. Il fait tout une émotion et ban memories qui revient comme on dit comme un tsunami pour moi. Cyclone, il est capable littéral, il est capable bien sûr métaphorique et quand nous pensons en termes de métaphore, il est capable côté identité, il est capable émotion, il est capable un snapshot d'une situation, il est capable de cause avant cyclone, pendant cyclone, après cyclone. Et il est un thème qui est capable bien subjectif pour un dimanche. Comment il interprète ça et comment il a envie d'exprimer de ça. Et que je trouve ça extra joli pour tendre les autres poèmes et pour trouver sa diversité qui est là dans l'interprétation. Il y a une facette de moi qui m'a très cachée, au fait. Et que elle me a mis un encouragement pour tant un sens, pour sa prix là, et que partage un mauvais poème en anglais. Et me gagne boost pour écrire encore et pour partager encore avec les quelque part aussi montrer que dans Maurice aussi nous on a un appreciation pour art and culture qui vraiment joli et que pour expand ça un petit peu plus pour rendre ça un petit peu plus visible les jolis aussi. Saison cyclone longtemps est passé. Oui, monsieur, saison cyclone, longtemps il passait, mais cyclone ban là, beaucoup plus mauvais. Plus mauvais encore. C'est qu'il arrivait coup de sable, figuier à papa il rayait. L'acide, l'eau maman, je t'en avoyais. Mon continue des plis. Mon front, fin plissé. Aïe, monsieur, bizarre plis s'expliquait. Si j'ordi mon frère fin mort et covadose, ban gros les bras, ban mafia, j'ote même la cause. Ban prothésé, si pas qui grand monsieur. L'in levé, l'in rode continue, mais avec pleurer sur les sous, fin coupé. Mon fixé lit, mon gratte mou la tête. À nous aller, laisse la police faire sur l'enquête. Vini, nous allons un petit pizza. Laisse la police faire sur l'enquête. Plainte, Ansa. Fais-moi rire. Allez, garde-nous pizza. Mais, qui te voulait, petit? Un Briani, qui te voit? Garde-nous pizza, bourgeois. Garde-nous Briani. Fais-moi bien un revolver ou un fusil. C'est un message fort, ça. Ah ben, je ne sais pas s'il est fort. Vous savez, c'est... Mais le garçon, il a le ras-le-bol. Il n'a rien à perdre. Parce que sa maison a été saccagée, ses parents tués ou blessés. Mais qu'est-ce qu'il attend plus de la vie? Ben, je vais les tuer, ensuite vous allez m'arrêter. Ben, ok. Je m'en fiche. Vous n'avez pas une formation littéraire, mais vous êtes souvent participant et primé dans des concours de poésie ou d'écriture. C'est un passe-temps pas comme un autre. Oui, enfin, disons que j'ai subi l'influence de mon papa. Mon papa aimait parfois lire des poèmes à haute voix. Et j'imagine que ça m'a beaucoup influencé. Parce que vous êtes très passionné par votre environnement. Oui, je suis de formation scientifique, mais j'ai un penchant pour la littérature. J'aime bien lire surtout les poètes français. Et là, je constate pourquoi j'ai écrit ce poème en créole. Parce que, vous savez, lorsque vous écrivez un poème, il faut que ça sorte de vos tripes. Et moi, vous savez, la langue que j'ai apprise en premier, c'est le créole. C'est la langue qui sort de mes tripes. Et c'est la langue de mes rêves. Je crois bien que dans mes rêves, je parle en créole. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que ça pour écrire un poème? J'en ai un certificat. Ce poème est très métaphorique parce que moi je parle plutôt des personnes qui sont affectées par la drogue. Et quand on est affecté par la drogue, c'est un cyclone permanent qui est chez nous. Il n'y a pas d'été, il n'y a pas d'hiver. Donc dans le poème, je parle d'un petit garçon dont son village a été ravagé par les trafiquants de drogue parce que sûrement il les avait dénoncés.
Donc là, à la fin, le monsieur lui demande ben, si je peux t'aider. Ben, le garçon, lui, il a le ras-le-bol, vous savez. Et chaque fois, on lui dit, laisse la police passer l'enquête, laisse la justice suivre son cours. Mais lui, il ne peut pas attendre. Il me dit, donne-moi une arme, je finis tout. Parce que je connais qui ça n'a ça. It's walking loud, like it knows the place, and has made eye contact with the cathedral, which chimes in an accent foreign to us. The stained glass windows like wide, frightened eyes. The cooing has gone. The sky is bleeding, its grey puffy macaroons moving fast. Striking a match stick in the wind, we are like Sisyphus, finally rolling his rock up the hill. Skinny bum against the half-built wall, JR takes a deep drag on the bent bristle nicked from Grandpa's old coat. We know our house will not stand this monster. JR flings the cigarette butt he's been keeping. We hear an old man bitterly blaming the government for the cyclone, stomping the ground as if it owns the place. Comment est-ce qu'on se décide à participer à un concours de poésie? Vous êtes prof de langue et c'est le thème, c'est l'envie de dire des choses? Bon, c'était plutôt par hasard parce que je n'avais pas vu l'annonce. Et puis, par accident, j'ai vu dans Weekly, je crois. Et puis, j'ai essayé de participer pour la première fois parce que je n'ai pas écrit à Maurice, ça fait près de 17 ans, parce que j'écrivais plus à l'extérieur. Donc j'ai essayé l'aventure un petit peu et puis le thème était intéressant, surtout en termes métaphoriques, c'est quand même un peu ça. Vous avez fait appel à des souvenirs ou à une réalité? C'est un peu mélangé parce que j'avais déjà écrit le poème sans le thème de Cyclone et puis j'ai essayé d'incorporer le thème dans le même poème et c'était une cigarette que les cousins voulaient essayer avec une cousine et c'était un peu fictif et aussi réel. C'est votre premier envoi, il est primé. Est-ce que ça vous donne envie de continuer et de vous lancer dans une petite carrière de poète? J'ai déjà écrit pendant 17 ans et disons oui, ça me tente maintenant d'essayer un peu plus ici parce que j'ai été publié plus sur internet. J'ai évité un peu ici parce que j'étais un peu renfermé et l'internet c'est facile. Et peut-être pour retourner. Je vais essayer. Intéressant aussi quand on voit un peu la variété des thèmes et ceux qui ont été primés, on réalise qu'il y a quand même un fond poétique à Maurice assez intéressant, assez riche. Ah oui, j'en suis persuadée. D'ailleurs, on a vu le nombre de contributions et des personnes ont envoyé des recueils entiers, hein, donc pas juste un poème, mais parfois donc on sait que tous ces textes-là existent. Il n'y a pas parfois, malheureusement, pas assez de débouchés, peut-être pour eux. Et aussi de regard de quelqu'un qui peut-être les guider ou leur donner un avis sur comment peut-être améliorer ce qu'ils font, comment réinterpréter leur texte. Mais ça donne vraiment de l'espoir, c'est-à-dire qu'il y a un engouement pour la poésie. Et beaucoup de personnes pensent que peut-être la poésie c'est hermétique, mais ça ne l'est pas en fait. Ça nous parle vraiment d'une façon très profonde et très personnelle. Et je trouve que c'est ça qui est merveilleux dans la poésie. C'est la deuxième édition du prix d'Harmonique, et la troisième qui est profilée. Le prix est pérenne, nous pouvons y aller, pour aller comme ça. Vous pensez qu'il y a d'Harmonique, les types sont contents d'entendre sa manière, les gens qui racontent eux-mêmes, qui racontent Maurice. Lui, on l'a dit ce soir, il y a un poète des cyclones, il y a un poète cyclonique. Bon, et d'Harmonique nous joigne assez régulièrement et nous causer le téléphone de plus en plus rarement parce que sur la santé pas permettre.
et il est au courant. Le choix de Paul, lui, pour le thème première édition 2016-2017. Et comment je te connais, Edouard, il n'est pas voyagé maintenant, il n'est plus capable de voyager. Il habite Paris, rue Saint-Charles, et Monzani, il y a 2 semaines. Et nous avons une publication la fin août, Edouard Monique, 50 ans de poésie, manière de dire non à la mort. Comme si un testament fait d'une sélection de ce qu'il définit écrire, ce qu'il définit publier depuis 1958. Et voilà, nous avons l'occasion de recevoir Edouard, qui est poète national, et définit un servi comme un exemple pour beaucoup plus jeunes, pas depuis maintenant, depuis 50 ans, depuis 25 ans, depuis 10 ans, qui est capable de gagner sa, l'esprit, sa créativité, sa façon de sculpter man mot et donne man sentiment, man l'impression et qui vraiment s'accueille nous, fait nous réfléchir par force ou par beauté l'esthétique man mot.